Cédric Héroux, bonjour, bienvenue, on est très heureux de vous accueillir. Vous êtes paysan dans la vallée de la Roya, à la frontière entre la France et l'Italie, entre Nice et Vintimille. On vous connaît parce que vous êtes devenu un visage familier de la solidarité. Votre vie a basculé en 2015-2016. À ce moment-là, la France décide de se barricader, de rétablir le contrôle aux frontières. Ça sème le chaos dans votre vallée. Et à ce moment-là, vous décidez d'ouvrir vos portes à des migrants en errance, à des mineurs étrangers isolés. Et pour ça, vous êtes devenu la cible d'un harcèlement policier, judiciaire invraisemblable. 11 gardes à vue, 5 perquisitions, 5 procès. Vous avez échappé de peu à la prison. Finalement, vous avez été définitivement relaxé en 2021. Et vous avez même contribué à faire changer la loi qui criminalisait les gens qui venaient en aide aux étrangers, qui étaient considérés comme coupables de délits de solidarité, d'humanité. Vous racontez toute cette expérience dans un petit livre, Une terre commune. Vous y revenez à la fois sur cette longue lutte et aussi sur la façon dont vous avez construit maintenant sur vos terres une communauté Emmaüs, la première en France dédiée à l'agriculture. Sur cette terre commune, vous essayez d'inventer une autre façon de vivre ensemble. Et je voudrais revenir sur la chute du livre. Vous dites que ce projet, il a été porté par la détermination de réaliser un rêve, un petit rêve, dans une petite vallée, avec de petites gens qui ne demandent pas grand-chose d'autre que de vivre. En fait, vous croyez pas du tout au grand chambardement. Moi, je crois en la lutte locale. Je crois en la reprise en possession du territoire et à l'expression en fait de l'individu en fait sur son territoire. On appelle ça la concitoyenneté, la citoyenneté, en fait la reprise de la politique. Enfin, moi, c'est juste ce qui me dérange avec le terme de citoyenneté, c'est que c'est attribué aux hommes, aux femmes maintenant. C'était pas le cas des femmes il y a pas si longtemps que ça. Mais c'est pas attribué aux personnes étrangères qui n'ont pas le droit de voter.